là, ma jambe gauche, elle vient sur sa tête. Quand elle vient sur sa tête, elle n'est pas juste pour poser. C'est-à-dire, je veux plus que lui revienne vers moi. D'accord? Ce serait dommage. Donc, ce que je fais avec ma jambe, c'est que je l'emmène dans le sol. Et je détends le bras. Donc, j'ai ma position ici. Je trouve mon angle. Je pars là-bas. J'ai réussi à faire ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais appuyer fort sur son épaule, puis sur sa tête, pour prendre le jujigatame, la clé de bras ici. Ok? Donc, hop, pardon. On va, comment on va se mettre? Il faut qu'on change d'angle un petit peu. Encore, encore, encore. Voilà, on est ici. Je suis ici. Je fais ma position. J'ouvre. Là, en fait, regardez, si je vulgarise et que je suis ici, j'ai une clé de bras potentielle ici. J'ai la clé de bras. Ok, pardon. Donc, je suis ici. J'ouvre. Je viens ici pour travailler mon étranglement, parce qu'un étranglement, la beauté de l'étranglement, c'est que soit il tape, soit il s'endort. Sur les clés, le gars, il peut jouer le guerrier, parfois, il est péter le bras et pas taper. Bon, c'est relativement rare, mais en tout cas, l'étranglement, ça règle le problème tout de suite. Parfois, c'est pas possible. Donc, j'ai quand même deux mains, deux bras contre un bras, ok? Je lui ai supprimé un bras. Maintenant, pour mon étranglement, pour ma clé de bras, j'ai besoin d'angle, ok? Son corps, il est un peu sur moi, il me gêne. Donc, il faut que je le bouge un petit peu, ok? Comment je vais le bouger? C'est ma jambe droite sur son épaule qui va le tracter. Au moment où je le tracte, où je le pousse là-bas, mon avant-bras droit, il va venir de l'autre côté de sa tête. Ok? Ensuite, j'ai plus qu'à faire circuler ma jambe droite au-dessus de sa tête, ici. Et là, j'ai la clé de bras que je peux saisir. Pour finaliser la clé de bras, son pouce regarde vers le haut. Ok? Aux enfants, je leur dis, ouais, vous mettez des likes. Deux poignées contre un poignet. Deux poignées contre un poignet, donc là. C'est-à-dire, j'ai mon bras droit qui va avoir l'action de pousser vers le bas et mon bras gauche qui va avoir l'action de tirer vers le bas. Donc, j'ai vraiment deux forces contraires. Et j'ai pas besoin de tirer sur moi. Je vais tirer sur le côté ici pour que son os... C'est comme si je voulais mettre son os ici contre ma hanche, l'os de ma hanche ici. Ok, là, il n'y a vraiment aucune possibilité de sortir de ici. C'est vraiment très compliqué. Ça va, Bouche? Je te mettais pas... Ça va. Parce que des fois, je mets la pression, je ne me rends pas compte. Et puis, là, on peut faire de l'autre côté. Tu peux tourner de l'autre côté, sur le bras. Je suis ici. Bam. Un. J'ouvre. Là, on pourrait partir sur la clé de bras. Ah non, j'étais là, pardon. J'ouvre. Bam. Je pousse. Je pousse sur son épaule. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vous pose la question. C'est quoi l'avant-bras exactement? L'avant-bras. Là, ma jambe gauche, elle vient sur sa tête. Quand elle vient sur sa tête, elle n'est pas juste pour poser. C'est-à-dire, je veux plus que lui revienne vers moi. D'accord? Ce serait dommage. Donc, ce que je fais avec ma jambe, c'est que je l'emmène dans le sol. Et je détends le bras. Tout de suite, dès que j'ai le bras détendu, les deux poignets, les deux mains sur le poignet... Et je fais mes actions ici où j'emmène vers le bas. Ok? Question? On essaye? 1, 2, oui.